Les amis, épisode 19, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, et je crois que j'ai des ennemis qui sont contre moi. Voilà, c'est ça que je craignais. Voilà, j'espère que tu vas bien. Là, je me suis embrouillé, j'ai voulu me mettre nickel pile poil en face de la mission, et j'avais oublié qu'une fois en ville, je suis pas le bienvenu en fait, tout simplement. Tout simplement. Hop là, et de 1... Ils sont où? Ils sont où? Et de 2. Voilà, maintenant je vais avoir les flics au cul, c'est génial. Je voulais me faire une petite mission tranquille en ville. Et suite, vous savez, au cambriolage. Et bien du coup, maintenant j'ai plein d'hommes de main qui veulent ma peau, regardez. Je suis mort. C'est fini, c'est terminé. Faut que je quitte la ville. Du coup, je sais pas où je vais pour faire mes missions. C'est super, c'est le bordel. Allez, allez, dépêche-toi. Plus la police au cul. On commence bien cet épisode, je te le dis. J'ai une vieille voiture toute pourrave. Non, je crois qu'il va falloir que je fasse quelque chose là. Attendez. On va changer. Voilà, grenade. Voilà. Même pas ils explosent. Même pas ils explosent. Là, je vais être face aux flics. Allez, sors de là. Bûche-toi. Va-t'en. Allez, allez, vite. En plus, j'ai même pas de protection. J'ai rien du tout. Voilà. Reste caché. Doucement. Allez. Voilà les gars, je sais pas pourquoi je me suis aventuré là-dedans. Bon, ça va, les flics sont en train de s'occuper du truc. Il y en a un qui a contourné, c'est un policier. Forcément, mon ami, ne t'aventure pas ici parce que... Bah du coup, je vais te faire la peau. Hein? Allez, on se dépêche. C'est quoi cette caisse? Oh là 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 là. Non, pourquoi je commence comme ça? Putain, j'ai les policiers au cul, j'ai les hélicoptères, c'est n'importe quoi. Bon, je crois que je pourrais pas résister, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est même certain. Voilà, pousse-toi, on enlève 2-3 poteaux. Toi, m'emmerde pas, dégage. Et si j'appelle Lester, il m'enlève des étoiles ou pas? Hop là. Hop là, je t'ai feinté, hop, fan du cowboy. Hop, je t'ai feinté. Moi, je prends un raccourci dans la forêt. Non, ça marche pas. Ici, ça marche pas. Hop là, freestyle 360 degrés on the mix. On retombe sur ses quatre roues. Petite jump de cabri, olé. Et on y va. On repart dans l'autre sens. Non, j'aurais pas dû commencer comme ça. Franchement, je t'avoue que là, on n'est pas prêt de faire une mission. Faut déjà que je me casse et que je me cache. Hein? En fait, je peux plus venir en ville. C'est ça le problème. Je peux plus venir en ville. Dès que je viens en ville, j'ai tous les hommes de main contre moi. Plus, bah du coup, comme tu fais la guerre un peu à la police, bah t'as la police, quoi. Je veux dire, à un moment, faut être relatif. Ça peut rien dire, c'est pas grave. Oula. Voilà, pousse-toi. Petite fan de cow-boy. On va essayer de sortir de ce pétrin. Il est toujours pas ouvert, ce casino. Hein. Je sais pas s'ils vont nous l'ouvrir, un de ces quatre. On pourra mettre... miser des sous un peu. Allez, 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 allez. On n'est pas... Oh non, il est encore devant. Comment je pourrais faire? Comment je... Oh, ils m'ont crevé les pneus, ils m'ont crevé les pneus, ils m'ont crevé les pneus, ils m'ont crevé les pneus. C'est génial. Oh, les enfoirés. Voilà, je suis mort, c'est fini, c'est fini. Voilà. On se retrouve avec Franklin Perlimpinpin. Tout à l'heure, pour tout vous dire, j'avais commencé cet épisode avec Michael. Et comme un con, je suis allé en ville. Et Michael et Trevor, depuis qu'on a kidnappé la femme du mafieux un peu porto, là, mexicain du moins, on n'a plus trop le droit de venir en ville. Et j'avoue que j'ai fait le malin, je suis allé en ville, c'était horrible. C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec des gars qui veulent ma peau et tu t'en sors pas quoi. Entre eux et les flics, tu réapparais, tu meurs, tu réapparais, tu meurs. J'ai mis 10 minutes avant de pouvoir revenir à l'état normal, j'ai envie de te dire. En tout cas, j'espère que tu te portes bien, épisode 19. On va aller se faire la première mission. J'espère qu'on aura le temps d'en faire plusieurs, histoire d'accélérer le rythme de ce let's play. Et c'est parti. On n'est pas loin, on n'est qu'à 1,10 km. 1,10 km, c'est rien du tout.
Oula, j'ai cru que la haie allait m'arrêter, mais non, ça va, c'est bien fait. Hein, des haies, ça n'arrête pas une voiture nette, comme dans certains jeux. Des fois, dans certains jeux, la haie, ça t'arrête net ta voiture. Bon, on sait pas pourquoi, mais ça l'arrête. On va aller au L. Au L comme assassinat. Voilà. Moi aussi, je pensais que ça allait mettre Lester ou un truc comme ça. Non, ça me met assassinat quand je vais dessus. Musique électronique. Il est où cet assassinat? On va se garer. Hop là. Téléphone. Il est où ce téléphone? Téléphone. Téléphone. Bon, on va passer par là. Et là. It's me, dog. Where we at? We're at Enzo Benelli. Mafia guy turned real estate developer. He's bullied his way onto half the building contracts in Los Santos. Extortion, murder, labor racketeering, you name it. There's not a construction worker in town earning a livable wage right now, and Gold Coast Development is about to go under. And let me guess, you got a personal interest in Gold Coast, right? Anyone think you'd done this before? According to Benelli's cell phone, he's at the construction site downtown. It's done. One small problem. My source squealed. Benelli's expecting a hit. Watch yourself and go equipped. You'll have a lot of muscle. Bon, à mon habitude, j'ai absolument rien lu parce qu'on m'a envoyé un Skype et j'ai lu le message. Je suis allé voir une vidéo vite fait. Donc je sais que je vais aller au chantier et ça, personne ne pourra me l'enlever. Moi, je vais aller au chantier. En fait, ce jeu, moi, je me fie au point jaune. Tu te fies au point jaune, tu vas dans les points jaunes, tu fais ce que te dit le point jaune et tu te casses. Ta gueule, pousse-toi, ta gueule. Allez, on y va. On n'est qu'à 900 mètres, on va au chantier. Je pense qu'à mon avis, il y a un assassinat au chantier, hein, au sniper, parce que Franklin, il maîtrise le snipe. Franklin, c'est un psychopathe, et moi, les psychopathes, ça me fait plaisir. On va essayer de doubler par là. Hop, 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 là, dégage. Hein, dégage, fais pas chier. Avec ta voiture orange, ta petite Twingo, on sait même pas ce qu'elle fout. Ouh. On s'arrête en plein milieu de... Vic a fusil. J'ai les copains, ils veulent que je vienne. Qu'est-ce qui... Ah, c'est là le point jaune. Calm down? There's a fucking price on me and you're telling me to calm down? I'm going to stay near the chopper. You dumb fucks do your job. Bon. Encore une fois... j'étais pas dedans. Donc là, faut que j'accède au toit. La pression est là. La pression est grande. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller en courant. Ce sera plus simple. On va essayer de trouver, tu vois, un escabeau, une petite échelle, une connerie. Et on va accéder au toit. Faut pas... Hein? Voilà, t'as tout compris. Faut pas. Comment on peut accéder au toit? Ah, mais des gardes du corps. Donc lui, si je passe par là, il me dérouille. Lui, il est pas content. Lui, il est pas content. Lui... Ah, et c'est bon, il est plus là. Ouais, par contre, maintenant, pour accéder au toit, on va essayer de trouver notre solution. Et cette solution s'appelle l'échelle. Et l'échelle, elle est pas là. Et pour trouver une échelle, il faut courir. Accéder au toit. C'est génial, dis-moi. On va contourner. On va voir ce que ça donne. Du moins, on va essayer, mais je crois que je suis en train de m'éloigner du sujet là. On va quand même essayer de passer par là, parce que là-bas il y a un grand grillage et je vois pas trop comment tu peux accéder au toit. C'est quoi ça? Lui aussi, c'est un garde du corps? Voilà, tu vois. Voilà, voilà, c'est bien ce que je pensais. Accéder au toit. Papapapam, ta gueule. Oh, vas-y, redis-moi connard, je te jure, je te dérouille toi. Mais il est con ou quoi lui? Le mec, t'as pas le droit de passer devant, c'est normal. Normal. Normal, tu marches, ta tête lui plaît pas. Bon, mais c'est la guerre, hein. Qu'est-ce que je te dise. Ils ont voulu jouer avec mes nerfs. Bah, c'est fini pour eux. Désolé. Voilà, dégage. Ce qu'on va faire, on va rentrer par là. Ah, mais t'es pas mort? Voilà. On va recharger un coup. Je devais me la faire discret. Et du coup, je crois que ça va pas être discret, mais du tout. Ils sont où? Ils sont où? J'en ai un en face, par contre.
Non, il est pas là. Il y en a un par là, en hauteur. Ils sont partout. Je suis entouré. Voilà, c'est fait. Lui, t'en parle plus. C'est où que ça tire? Il est où? Il est où? Voilà. Ah, merde. Bon, les gars, c'est pas grave. On garde son sang-froid. On reste assez loin des gars parce que, franchement, ils sont irritables, quoi. Ils sont vraiment énervés. Hein, tu passes juste sur le trottoir, tu te fais canarder par tout le monde. C'est pas grave. La mission est pas finie. L'aventure fait que commencer. Je peux te dire que là, ils m'ont un peu trop cherché. Ça va pas le faire. On va essayer d'accéder au toit, c'est bien ce que je dis. Oula, il y en a encore un là. Ce qu'on va faire, est-ce que j'ai un snipe? Bien sûr, mais sans... Ah si, précision et silencieux. On va se mettre par là, tranquillo. Une pleine tête. Voilà. Voilà. Et on va y aller dans la subtilité. Par contre, qui dit subtilité, dit arme. Parce que, à mon avis, à un moment, je vais me faire attraper. Ils sont tellement nombreux, les gars. On va courir. Hein, on va se cacher là. On va prendre le deuxième snipe. Et on y va. Toujours dans la subtilité. Et dans le headshot. Voilà. Ça, c'est fait. Pour une fois... Oula. Oulala. Il est où? Où l'enfoiré? Doucement. Non. Doucement. Voilà. Et c'est fait. Tout au sniper. Moi, je suis le Wartek de l'assassinat. Ouais, je suis Wartek dans tout. Ah, l'enfoiré, j'ai été vu. C'est mort. Là, va falloir que je me batte contre tout le monde. C'est génial. Allez, cours. Hop, va te cacher. Saute. Petit saut de cabri. On va se cacher dans l'angle ici. Et on va les attendre un par un. Voilà, c'est ce que je peux te dire. Recharge un peu. Là-haut. Allez, montre-toi. Toi, c'est fait. Excusez-moi de ce moment de concentration extrême. Là-haut, il est où, là-haut? Il y en a encore un par là. Non, surtout là-haut. Oui, j'arrive, Vic. 2 secondes, mon bicouné. Faites comme pour Blaster J. Invitez Vic63. V-I-C-K-63. Lui aussi, il a besoin de copains. Tiens. Dans le dos. Non, dans le dos, c'est quoi le problème? Allez. 4e fail. Bon, là, rien n'est réuni aujourd'hui. Entre le début de l'épisode qui est complètement parti en freestyle à cause du... ça enregistre là, ma voix, moi, c'est n'importe quoi cet épisode. À cause de Michael qui se fait persécuter dans toute la ville, j'ai mis un quart d'heure avant de pouvoir jouer. Je commence la mission, je la loupe, ok, pas de soucis, ça m'arrive souvent. Deuxième, pas de soucis, c'est la routine. Troisième, coup de téléphone, ça me déconcentre. C'est n'importe quoi. Le sniper. On vise. Le globe droit de l'oreille. Voilà, lui c'est fait. Sa copine. Oula, j'ai de la chance que... de pas l'avoir... Ah si, je les ai alertés. Je les ai alertés, non? Ou pas? Allez, on va traverser. J'ai trouvé à peu près le chemin. Mais le problème, c'est qu'il y a vraiment du monde. Ils sont vraiment un paquet, quoi. Allez, concentration. Snipe. Monsieur propre. Qu'est-ce que je fais? Je me la joue au gros bourrin, je nique tout le monde? Je crois que j'ai pas le choix, hein.
Voilà, c'est fait. On va rester derrière le petit mur, tranquillou. Voilà. Voilà. Voilà, c'est fait. L'autre, il est caché derrière sa voiture, il va pas sortir. Voilà, c'est fait. Ils sont plus nombreux que ça, c'est clair et net. Il y en a un qui va arriver par ici. Cache-toi. Il est où? Voilà. Lui, c'est fait. Motherfuckers, comme dirait Franklin. Allez, cours, mon Franklin. Fais-nous rêver. Fais-nous voir qui c'est le meilleur. Qui c'est qui domine. Montre à mes abonnés que on peut le faire. On n'est pas plus cons que les autres. Par contre, va te cacher un petit peu. Parce que moi, je vais pas passer cet épisode entier à faire que cette mission. Juste avant, j'étais en train de faire un speech en disant que, éventuellement, on va essayer d'accélérer le mouvement. Je crois qu'on est mal parti. Il est où? Vas-y, montre-toi. Montre-moi tête. Oh merde. On va essayer la version. Tu vois? La version tranquille. Je me suis fait le premier garde. On va se cacher derrière ce petit mur. Derrière celui-là. On va regarder comment ça se passe aux alentours. Ça m'a pas l'air dégueulasse. C'est dommage qu'il n'y ait pas une option ramper, tu vois? Tu rampes et tout. Parce que là, moi, ça m'aurait bien arrangé. Ramper derrière le petit muret. Personne ne voit rien. T'es peinard. Allez, dans la subtilité. Dépêche-toi. Enfin, dépêche-toi, mais fais attention quand même. Voilà, doucement. Là, on est toujours caché. Il n'y a personne. Allez. Hop, on se recache derrière ce petit muret-là. Ça me fait zizir. Cache-toi derrière celui-là. Récupère ton arme parce que... Ah, il y en a un là. Il est où? Doucement. C'est assez stressant comme mission quand même. On est d'accord. Est-ce que ça, c'est un ascenseur? Je pense que ça, c'est un ascenseur. Et qu'il va falloir que je monte dedans. Ok, donc là, je suis dans la merde, hein, pour parler poliment, et dans la merde totale. C'est fait. Voilà, là j'ai du monde qui arrive par là. Recharge vite, mon pote. Voilà. 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 Bon, j'ai pris l'ascenseur, c'est déjà pas mal. Je suis recherché par tous les bandits de la ville, mais j'ai pris l'ascenseur. C'est déjà un grand pas pour l'humanité. Comment ça se passe maintenant? Je fais quoi? Je vais où? Voilà. Il est mort? You wanna fuck with me? I'll lay all y'all ass down. On va te cacher. Voilà. Normalement, il y en a encore un. C'est ça? Là-bas. Cache-toi. Voilà. Voilà. Recharge-moi tout ça. Il est là encore, hein. Il est là encore, hein. Moi, je veux pas mourir, hein. Ça fait 6 fois que je meurs, je commence à en avoir le cul, là. Allez, cours. Cache-toi. Ils sont un paquet, hein. Ils sont un paquet, mon pote. Ils sont pas là pour faire semblant. Ils sont tous là, ils sont chauds. Ils ont qu'une envie, c'est de te faire la peau. Voilà, c'est fait. Allez, 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 allez. Cours, 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 cours. Eh, quoi là?
Là, j'y suis pas là sur leur putain de point. On prend le deuxième ascenseur. Interactivité. Pour l'instant, après 8 fails, ça me fait plaisir. Il est costaud, mon petit Franklin. C'est un bel homme. Mais il va falloir qu'il se concentre un petit peu, parce que c'est un peu le bordel, quand même. Ah, à mon avis, je suis attendu, mais comme le pape en Italie, pour te dire comment je suis attendu. Dépêche-toi. Fais-nous rêver. Là, j'ai la flip, en fait. Oh, ça va. Tiens, toi, c'est fait. Toi, c'est fait. Toi, c'est fait. Et je dois faire quoi, là? C'est bon? C'est bon. Quitter la zone. Mais j'ai pas de parachute. Ils sont marrants. Il y en a un là. Il y a un parachute ici. On peut pas le prendre. Vous avez asséné la cible. Quittez la zone. Ouais, mais prends-moi le parachute. Ou je rentre l'arme, c'est ça? Il prend pas le parachute, Bacala. Qu'est-ce qu'il me fait? Allez, football. Moi, je le pousse. Il faut appuyer sur X, quelque chose? Interactivité? Bon. C'est un bug? Non, rassurez-moi, ça arrive qu'à moi ou pas? Juste pour savoir. Voilà. Tiens, c'est tout ce que tu mérites. Pourquoi je peux pas prendre le... Pourquoi je peux pas prendre... Bon. Bon. Doucement. Je suis tombé. Je crois que ce sera l'épisode le plus fail de la planète. Et vous êtes d'accord avec moi qu'il prenait pas le parachute. Il avait envie de me faire chier. Oh shit, there he... Voilà, ça c'est fait. La cible, elle est assassinée. Lui c'est fait. Lui c'est fait. Et il y en a encore un. Ça? Ah mais encore un gars là-haut. Oh ouais, d'accord. Est-ce que cette fois-ci... Peut-être que l'hélicoptère en fait était pas encore en train de... Ouais, je sais pas. Comment on revêtit le parachute hein? J'ai aucune option pour prendre mon parachute, c'est ça? Ou il va être là quand je vais sauter? Je sais pas. Là maintenant, j'ai peur de sauter. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on n'a pas le choix. Rentre ton arme. Et saute. D'accord, génial. T'as rien sur le dos? Ah, j'avais une bestiole. La flip. Doucement. Doucement. Non, 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 c'est pas ça. Voilà, superbe. Magnifique. Magnifique. Des gros bugs. Magnifique. Bon, mission réglée, mais je me retrouve en haut d'un toit. Non, mais sérieux. Sérieux. Mission réussie. Ouais, génial. Mission accomplie. En or. J'ai recommencé 15 000 fois. Mes missions en or, c'est super. Par contre, le problème maintenant qui s'impose... Plus 10 000, c'est super. Le problème... Est-ce que j'ai un parachute? Non, je l'ai plus. Est-ce que je peux descendre? Parce que là, pour me suicider, je vois pas comment je peux descendre. Là, y a rien de spécial à faire. Là, à mon avis, la porte, c'est fermé. Sinon, c'est pas rigolo. Ouais, donc il va falloir que je me suicide, parce que j'ai pas du tout de parachute. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qu'on va faire? On va monter là. Hop. On va essayer de regarder... on va faire le Yamakasi Time. Ouais, Yamakasi, c'est un peu haut quand même pour lui. Ça s'appelle, mes amis, un grand moment de solitude. C'est-à-dire que comme un con a atterri sur ce toit, il a lâché son parachute, et donc toi, tu n'as aucune solution pour descendre.
tout simplement. À part appeler un hélicoptère, mais je n'ai personne qui a un hélicoptère à appeler. Et ben, je crois qu'il va falloir se suicider. Voilà, allez, on y va. C'est parti, mon petit Franklin, désolé. Voilà. J'ai pas le choix. Hein ? Moi, les gars, je me suis tué et j'ai réapparu dans Trevor. Et je sais pas pourquoi, mais je réapparais dans Trevor, j'ai les flics au cul. C'est complètement normal. Juste le truc bien chiant, quoi. 2 étoiles, direct. T'as rien demandé. T'es jamais tranquille dans ce jeu, franchement. Surtout quand tu réapparais sur Trevor, tu peux être sûr qu'il fait que des conneries, ce mec. Oh là, tous ces flics. Non, mais c'est quoi ce bord? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il y a tant de flics qui me recherchent? C'est quoi le problème? Voilà, coupe par là. Dans la merde. Bon, on est dans la merde, de toute façon. C'est super. Voilà. Donc, on n'est pas prêt de faire une mission. Ah, voilà. Tout doucement. On va arriver à les semer tranquillou. On va couper par là. On va rentrer à la planque. Hein. Sacré Trevor. Tiens, on va faire un petit jump. Ça me fait plaisir. Je vous l'offre. Yeah. Freestyle. Réception parfaite. Attention les biquettes. Parce que les biquettes, elles ont rien fait. Elles font du bon fromage de chèvre. Voilà. On reste en profil avec elle. Tu vois, tu te la fais tranquillou. Tu te fais oublier 2 minutes par les flics. Hein, allez, les étoiles. On tremble un peu, puis on disparaît, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Bon, les amis, ce qu'on va faire maintenant, on va retourner chez moi, et on va voir ce qui se passe. Une dernière mission, parce que mine de rien, celle d'avant, elle nous a pris du temps. Ça paye pas de mine comme ça de recommencer 25 fois, mais... Du coup, le temps, il défile. Et toi, t'as pas le temps de faire 50 missions. Hop là, excusez-moi. Tes chaises pourries, là. On arrive à la maison. C'est déliré dans cette ville, les gens qui se promènent en caddie. Il y a trop de monde qui se promène en caddie de golf. J'ai jamais compris. Moi, j'aime bien passer par derrière chez moi. Toujours fait ça. Seul Michael peut commencer cette mission. Eh ben... Allons chercher Michael. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Nous voilà avec Michael. J'ai changé de perso. Normalement, la mission, on va pouvoir la commencer. Il s'est juste passé 17h, mais sinon tout va bien. C'est bientôt la nuit. Je vais aller me coucher. Limite, je vais même petit déjeuner. What a shit. Trevor about? He's probably out somewhere, drinking human blood or eating household pets. He's not that bad. Really? Well, okay, he is pretty bad. But he's got a sensitive side. Oh, yes, he's very sensitive. When he gets his feelings hurt, he's devastated. So what's your story? I ain't got a story. I'm an independent thinker. Living out here, away from the man, from what I can tell. You're like a high school athlete, living off old glories. You used to be able to manage heat, and now you're worried if your loafers are getting scuffed. Any more bullshit comes out of your mouth, you're gonna learn all about my past glories firsthand. You understand? Absolutely, sir. That came out wrong, all wrong. Tell Trevor the monthly train is coming through. What monthly train? The monthly train. Where have you two been? Getting some fresh air. Talking of beautiful things. Yes, I hear Stockholm Syndrome is very nice this time of year. Hey, watch your mouth, boy, all right? It's always been a dream of ours. The train of dreams. The hell are you talking about? I'm talking about gold. Enough to keep Ron in trailers and you in therapy. Enough so that we can pay off that Mexican and get you back in town, baby! Yeah! This better be fucking good! Jesus! Fuck. Ah! Man, we've talked about this hygiene thing before, bro. I invite you into my home, this is how you repay me? It's like living with a fucking horny skunk. Bon. Qu'est-ce qu'on doit faire? Seul Michael peut commencer cette mission et on se retrouve à piloter Trevor.
J'ai envie de te dire, c'est normal. Sauter sur le train, superbe. Allez, on y va. Donc sauter sur le train à 1,8 km, ça sent le fail à tout va. Ça sent les... Attends. On puisse braquer un train rempli d'or. Un bateau, qu'est-ce qu'il y a? Prends-en un rapide. Parfois. Ok. Oula! Oh, 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 j'ai fait. Là, c'était même pas un fail, là, c'était. Laisse tomber! Ah, c'est lui? Ça m'a l'air d'être ça. C'est ça? C'est ça? C'est ça. Allez, on y va. On est chaud. Sauter sur le train, mais comment je fais pour sauter sur le train? Mike, oh yeah, another thing for your shopping list. We'll need some bombs. Chemin arrivé vous permet de sauter sur le train. Ah, je suis con, je l'ai raté. Je l'ai raté. Et la deuxième. Voilà, faire comme ça. Allez, c'est parti. Nickel. Non, pas nickel. Oh, j'étais dessus. Ok. Monter sur la moto, c'est superbe. Gros carnage. En fait, j'ai fait n'importe quoi. Et là, je crois que j'ai fail. Allez, dépêche-toi. Allez, allez, mon Trevor. C'est n'importe quoi, ce jeu. Moi, ça me stresse. Ça stresse tonton, ce genre de jeu. Allez, monte sur le train. Monte là-dessus, tu verras Montmartre. Oh, putain. Tu m'étonnes, arrêtez ce train. Tu m'étonnes. Allez, ils l'ont arrêté. Non? Allez, on passe par là. Un petit jump tranquillou dans la solitude. Pouf, je sais pas pourquoi je dis ça, c'est juste pour le stress. Magnifique. Magnifique. Ah, c'était la dernière tentative. Je vous l'avais dit que je ferais des fails. C'est parti. Deuxième essai, ça sera le bon. Ah, je suis dessus. Conduisez le long du train jusqu'à la locomotive. Franchement, c'est tendu, hein. J'ai envie de te dire... Attends, je parle plus. Cela, je peux plus. Là, je suis en flip total. Doucement, 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 doucement. Voilà. Ralentis un peu, ralentis un peu. Voilà, accélère. Accélère jusqu'à la locomotive. Accélère. Ralentis un peu, ralentis un peu. Accélère. Waouh, 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 c'est flippant. Ça me stresse. Maintenant, c'est lui qui gère, hein. Vas-y, fais-toi plaisir. Bon, on aurait quand même pu descendre de la moto puis courir, quoi. Pourquoi se faire chier avec rester sur la moto? Bim. Voilà. R pour regarder autour de vous, R2 pour accélérer, L2 pour freiner. Autour de nous, voilà. Conduis le train, c'est bien. There's a new conductor on this train. You on the water? Sure, just caught a fish. Bon. Let me know when you need me. Got it? Eat it. On va essayer de pas dérailler. C'est sympa de conduire un train en fait. All of Meriwether's gonna be on to us. Train ain't stopping here, boys. Doucement. On va essayer de pas le faire dérailler, parce que je me connais, je suis capable. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Fail? Qu'est-ce que... Ah, on change, d'accord. Je suis en train de me dire, allez, c'est parti, je suis allé trop vite, je sais pas, j'ai raté la mission. Donc maintenant, je suis Michael. Ouais. Eux, ça leur prend comme ça, tu vois. Allez sur... Allez au pont Forever. Tu vois, ils sont là, tranquilles, ils se donnent rencard chez Trevor, on va braquer un train plein d'or, ça marche. Boum, en 2 secondes, ils t'ont trouvé un bateau, c'est un peu n'importe quoi. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Mais c'est un peu abusé quand même. Je veux dire, les mecs ils viennent de faire un gros braco. Ils sont interdits de ville tellement qu'ils ont braqué. Hein, ils ont décimé toute une armée. C'est normal, ils font ce qu'ils veulent. C'est un jeu, tu vas me dire. Et je fais quoi là? Ouais. Waouh, la cascade. Le truc improbable.
fait quoi là? On récupère Trevor, c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il nous montrait très. Dans un véhicule, appuie sur carré pour. Ouais. Je fais quoi là? Utiliser les bombes collantes pour faire sauter les portes du conteneur. Voilà, bombe collante. Appuie sur L1 pour lancer une bombe. Et là. On va se pousser un peu. Ah, voilà, je le savais. Une cascade. Recule. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On y va comme ça. Hop, et là. Hop, on se casse. Voilà. C'est pas celui-là. Voilà, superbe. Et là, je pense que j'ai fail parce que j'ai sorti le bateau de son lit. C'est pas grave, j'y vais à la nage. On peut pas. Bordel. Et voilà, en fait, faut rester sur le bateau. Hein, c'était prévisible. Mais on est là pour... je sais même pas pourquoi je fais cet épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en mode fatigué. En mode gros bordel. C'est n'importe quoi. Allez, on se concentre. Voilà. Je pourrais très bien vous mettre que... Ah, c'est celui-là, tout simplement. Bah oui. Espèce de trou de balle. Non? Allez, on se concentre. Voilà. Nickel. Maintenant, on fait quoi? Il est content. Et là, on va se faire agresser, c'est ça? Non. Ouais, c'est ça. Meriwether Recovery Teams arrive! Voilà. Voilà, lui c'est fait. Voilà. Voilà. Il y en a encore un là. Voilà. Hélicoptère. Allez, recharge-moi vite ça. Voilà, visée solide. Voilà. Encore un deuxième. Voilà, deuxième hélico. Je sais pas qui c'est ces gars, j'ai pas le temps de lire voir là-dessous. Est-ce que c'est des ennemis? Est-ce que c'est l'armée? C'est qui? Là-haut, il y a plein de monde. Et si je me mettais en face de la caméra, ça serait encore mieux. Moi, je me suis posé comme à la maison. Utilisez la visée thermique pour votre mieux position pour localiser les snipers. Oh là, bordel. Allez, recharge-moi vite ça. Bon, lui c'est fait. Voilà, il va se scratcher. Là-bas. Non. Voilà. Ouais, c'est un peu le why quand même. Il y en a encore un là-haut. La visée thermique de quoi je dois utiliser? Pistolet mitrailleur, mitraillette, on est d'accord. Là, c'est lance-patate, fusil d'assaut, carabine, lunettes. Donc lui, il est mort. On se casse. Ok. Hop là. Comme une merde. Montez dans le Lionetier. Allez, viens me chercher. Allez, monte. Allez, mon traître, on y va. Monte là-dedans. Me fail pas tout ça. C'est parti. Donc, à mon avis, maintenant, je sais pas ce que je vais faire. C'est pas fini. Course-poursuite. Forcément, ça serait trop simple sinon. Allez, on y va. Allez. Moi, je vais prendre la place du pilotage. Fuyez vers les rapides de l'embouchure.
Allez, mon traître, fais-nous rêver. Voilà. C'est tendu, hein, de commenter quand il y a de l'action comme ça. Allez, accélère. Petit jump, superbe. Voilà, doucement, voilà. Reprends position. Voilà, s'il te plaît, pas de fake, j'en ai marre de recommencer aujourd'hui. La nuit vient de tomber, j'ai commencé ce matin à 9h, il est 22h30. Hein? Donc on va prendre un peu... Oula, voilà, doucement, doucement. Voilà, accélère. Les petites biquettes qui buvaient de l'eau, les pauvres. On y est presque, on y est presque. Concentration, subtilité et compétitivité sont les maîtres mots. Éliminer les poursuivants du river. Allez, un petit coup de... Ils sont où? Qu'est-ce qu'il me fait? Come on. We need to get on land. Pull her up down. J'ai pas compris, il te prévient pas des fois qu'on change de personnage. Et moi j'étais censé éliminer les poursuivants. Franchement, j'ai pas eu la sensation d'avoir éliminé qui que ce soit. Mais bon. Hein? Allez. À mon avis, cette mission est terminée. Et l'épisode aussi. Épisode de 14h28. C'était bien. Doucement. Allez, tourne mon biquet. Voilà. Yes, I. Rejeunez les véhicules. Allez, Michael, prends la mallette. Allez, blindé de thunes. On y va. À mon avis, il y a encore une histoire de course-poursuite, tu vas voir. Because of your independent spirit. Hey, 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 hey! Hey, before you go, show me the loot. It's perfect. Perfect for fucking what? For squaring things with that Mexican psycho. We give him this, and you end your relationship with that little lady. Maybe we won't be dead men in Los Santos. I don't fucking see that Silicon City again. It'll be too soon. But this is my job, not your call to make. Nah, your job, fuck things up with the Mexican to begin with. My job, my score, get your own! Wait, you give me that case, I'll give you something bigger. What? Union Depository. Fuck off. Can't be done. I never said impossible. Just very difficult. Verging suicidal? That a line you're afraid to cross? Come on, T. You remember the dreams? A couple kids pulling jobs. The big one. I know it sounded crazy back then, huh? But hey, you and me together again. With Lester and Franklin on board. We can do this thing, T. This ain't no dream no more. Yeah. You keep the case. Fuck me. Okay, hey! All right. Here. Keep that silly fucking thing. And you can keep Patricia as well, all right? Because I respect that lady and I ain't gonna hold her back. Thank you. Just remember, I'm gonna be keeping my eye on you every inch of the way, all right? Of course. And if that bastard fucking cheats on her one more time, I don't know what I'm gonna do. You know, Trevor, we both know you're not the marrying kind. But hey, it's great to be back in business, huh? Let's bring it on. The big one! The big one! Bon. Mission réussie. Franchement, j'ai bien galéré. Faut dire qu'aujourd'hui j'étais bien crevé, mais fallait le faire cet épisode, sinon tu l'aurais jamais eu. On va s'arrêter direct maintenant, parce que ça fait un bout de temps que je suis dessus. Toi au montage tu verras pas tout ça, mais ça fait vraiment un bout de temps que je suis dessus. Et voilà, portez-vous bien, rendez-vous à l'épisode 20, en meilleure forme. Je vous kiss, ciao.